Alors attends, j'ai quoi dans mon sac? J'ai un Orphi, une sole et un Oma. Un Orphi, une sole et un Oma. Ok. Ah oui, il faut être 69 pour faire ça. Oh, ok. Omar 62. Ok. Bon. Eh ben, je saurai. Qu'il y a des recettes que je peux pas faire tout de suite. Bon bah c'est pas grave, pas grave. Pas grave. Alors, éléphant, tu en es où? Tu en es pas très loin en fait. On n'a pas beaucoup avancé. Et ça m'embête un peu que tu n'avances pas. On va arroser un peu plus. J'aurais préféré qu'il commence par les plantes là, mais bon. Ah oui, il y a ça aussi à arroser. Voilà. Ça a été arrosé. Il me semble que oui. Non. Voilà. Ah. Ah, bah voilà. Bonsoir. Tu fais récolter les trucs. Ouf. Voyons voir. Oh. Bah tu veux encore des herbes? Ouf. Enfin fini. Je reviendrai demain, n'oublie pas. Alors, ouais. Elle vient tous les jours à 5h30. Ah mince, j'ai pas... rempli l'eau, voilà. Ok, lui il arrose, il est content. Je peux aller voir Iris en haut. Lui donner une fleur. Le temps que éléphant il finit d'arroser. Bon, éléphant il est bien, mais pour l'instant il est moyen efficace. C'est-à-dire, il aide. Mais c'est quoi ça? La mélodie de la confiance grandit dans le cœur des 12 jeunes filles. En gros, ça veut dire que dans le jeu, il y a 12 jeunes filles qui ont possibilité de marier. Et je sais pas si on a rencontré les 12 pour l'instant. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il m'en manque peut-être 2 ou 3. Parce qu'il ne semble pas avoir rencontré toutes les jeunes filles mariables. Je sais qu'il y en a une, j'ai pas rencontré.
Donc sur les 12 minimum, on en a 11 connus. Minimum. Enfin, maximum, pour l'instant, il n'y en a que 11 qu'on pourrait potentiellement connaître. Je regarde. Ça me gratte le nez, je sais pas pourquoi. Ça fait un peu comme s'il y avait quelque chose qui chatouillait le bout du nez en fait. Oh, une algue marine. Antidote. Un cuivre. Un cuivre. Alors, on trouve des trucs, mais de là à dire que c'est forcément des trucs intéressants, je suis pas sûr. On trouve des trucs, quoi. Et en plus, après, j'ai remarqué. Thank you. Merci, quelle jolie fleur, je vais en prendre soin. Good evening. Bonsoir. The weather is le temps so est agréable. Au fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, Iris? On peut l'ouvrir? Je ne sais pas, je n'ai pas été très loin. Je comprends. Il est possible qu'elle s'ouvre un jour. Il faut essayer régulièrement, en fait. Bonne idée. J'essaierai à chaque fois que je viendrai ici. Tiens, tiens, c'est pour toi. Tiens, tiens, c'est pour moi que vous veniez alors. Bah oui, à la base. Je sais plus. Il me semble, alors je dis bien il me semble, c'est dans mes souvenirs vagues, qu'une fois qu'on a donné les neuf fleurs, Elle descend sur le continent en bas. Elle habite dans l'auberge, je crois. Alors, c'est toujours des... Je suis pas sûr. Hein. Une fois ça, en fait, quand on remonte le lendemain ou quelques jours plus tard, on voit quelqu'un ouvrir la porte, monter l'escalier qu'on a vu au bout. Et puis après, je sais plus. C'est ce que moi, je me souviens. Après, je dis pas que c'est forcément ça ce qui se passe. Ah, vous voyez, par rapport à ce que moi j'avais arrosé, il reste quoi? 3, 6, 7. Donc, est-ce que il va devenir plus efficace avec le temps? Je ne sais plus. On casse du bois. On peut l'aider à casser du bois. Ma hache. Alors, je casse les petits, moi. Ça fait toujours un petit peu plus de bois, mais pas forcément exceptionnel. Casser de un peu de bois de temps en temps. Pour aider, hein. Voilà.
crois que j'en avais deux, c'est ça? J'en ai fait 4 aujourd'hui. 350, ouais. Ça va, le bois ça monte tout doucement. Il me semble qu'elle fait une bûche ou deux bûches par soir, quoi. Donc ça me fait à peu près une dizaine de bois par jour. C'est... pas dire que c'est rentable, mais j'ai quoi sur moi? Ah, je peux peut-être faire des paracures, là. Avec le bleu et le violet, je sais plus. C'est paracure? Oui. Si je peux en faire un petit peu de temps en temps. On va se calmer, hein, on va se calmer. On va pas trop en faire. Là. On range les plantes. Faudra qu'un coup, je fasse peut-être une session... de 2-3 jours. C'est quoi ça? Ah, c'est un bâton niveau 7, ok. Genre une session de 2-3 jours. Genre peut-être en hiver. À faire toutes mes... transformer mes herbes, tout ça, quoi. Pourquoi j'ai un plat dans mon frigo, en fait? C'est quoi, le plat? Des nouilles. Ah oui, ok. Bah, j'ai des nouilles dans mon frigo. Je peux juste regarder vite fait mon courrier si j'ai bien tout lu. Oui. 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 Elle, c'est quoi qu'elle voulait? Ah oui, elle voulait savoir son maillot de bain. Et elle, elle voulait savoir quoi? Ah oui, lui présenter les monstres, ok. Et ben voilà, tout est bon. Bon bah, 1, 2, sauvegarde. Et au dodo. Et ben voilà, tout va bien, finalement. Ah? Oh, merci. Tu progresses vite, c'est remarquable. Je veux que tu m'apportes ça. Oh, il pleut. Il me semble qu'il n'y ait pas de radio ou de télé pour prévoir la météo, il me semble. Ou alors c'est peut-être plus tard quand t'as grandi la maison. Celui des cailloux il va bosser parce que là actuellement il y a beaucoup de cailloux. Bah, c'est bien une journée off, pas off, une journée où que j'ai pas grand chose à faire, peut-être couper de l'herbe pour faciliter le travail de mon truc. Vu qu'aujourd'hui, ça va être une journée plutôt... je fais pas grand-chose. J'ai pas vu si elle a mis du courrier. Oui, elle a mis du courrier. Ok, j'étais pas sûr. Ok, hop. On va mettre un coup de faucille.
Ça va aller vite. Ok. Faut faire, juste faire attention à pas faire un trou comme j'avais fait là. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Mes tomates, je crois que je peux faire des jus de tomates. Je gagne pas beaucoup d'argent. Un petit peu de courrier. Ça fait un moment. Tant que le temps est. Attends, ça fait un moment. Ça fait un moment. Tant de temps a passé depuis votre déménagement. Comment allez-vous? Réponds. Je vais bien. Tard. Je sais pas c'est qui tard, mais je lui ai dit que je vais bien. Voilà. Ça me dit rien du tout. Niveau nourriture, on en est où? 158, ça va. Ça va. Niveau nourriture, on est bien. Un coup de brossage à tous les animaux. Leur dire que qu'ils sont magnifiques. Voilà quoi. Bon, oui. Hey there. Hein? Hey there. 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 Enfin, t'es belle. Hey there. Hey there. Ah ouh. Bah voilà, je pense que j'ai fait tout le monde. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Réfléchis. On peut aller parler aux gens. On pourrait aller explorer le donjon de la lave. Je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. On peut aller voir Tabata pour lui parler. Comme ça, à force de lui parler tous les jours, bah... Voilà. Ah, c'est pas ouvert. Ils ouvrent peut-être qu'à 9h. On va attendre un petit peu. Ah, ok, ils ouvrent à 9h. Donc avant 9h, elle n'est pas réveillée. D'accord. À noter. Good morning. Bonjour. Vous avez l'air en forme. Miss Bianca est de plus en plus joyeuse. C'est grâce à vous. Bah, merci. Miss Bianca, Bianca n'est pas quelqu'un de mauvais, elle est juste un peu fière. Proud, but she du coup, have elle n'a pas beaucoup d'amis. J'aimerais bien qu'elle trouve des amis. Bah, moi, je veux bien être son amie. Oh. Bonjour. This is my first time c'est la première fois que village. Je viens ici. Mais there's franchement, really c'est décevant. Here. Père aurait Father bien fait de m'envoyer en ville. Je suis venu ici pour fuir la chaleur, mais il fait pas frais du tout ici. Faites quelque chose. Cette résidence secondaire est un peu petite. Je voulais une chambre plus grande. Je pourrais peut-être faire une extension, peut-être. À voir. À voir. Je réfléchis. On peut aller voir pour les oranges. On peut aller chercher des oranges. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Parce que là,
Je suis en train de réfléchir. À part aller dans le donjon du feu. Ouais, on peut y aller. Alors, j'ai pas le niveau pour essayer de choper le golem, mais je peux peut-être essayer de trouver d'autres trucs. Sympa. Je vais peut-être prendre une arme sur moi au cas où. Voilà. On ne sait jamais. Ça peut être dangereux. Par là, y'a quoi? Ah, j'explore. Ok. Ah ah! Le poisson énergisant. Pourquoi pas? Des éléphants? Oui. Oh. Ok. Du fer, ouais. Oh, l'herbe rouge. Je suis pas sûr que ça soit. Oh, de l'huile. Ça peut être intéressant. De l'huile, c'est bien. Ouais, retour de l'éléphant. Ah, je peux pas passer là. Pas fait des trucs exceptionnels. Bon, on va faire attention. On va faire attention. Alors, toi, tu es un écureuil. Tu es un écureuil. Toi, tu es un poulet qui danse. Ah, et qui explose. Okay. Un poulet qui danse et qui explose. Des trucs de feu. Alors, je vais bien tenter un truc. Hey there. Mais j'y crois pas trop. Arrête de bouger deux secondes. Non, ok, miss. Hey there. Miss, ok, c'était juste pour toi. T'es... Ok, ça va un peu mieux. Donc les machins de feu, je peux pas les capturer. Ok. Non. Non, mais sérieux, le jeu, quoi. J'en ai marre. Bah oui, j'ai un rhume en plus. C'est férié. Bon, heureusement qu'il pleut, hein. Heureusement qu'il pleut. Donc, soit il faut vraiment que j'aille farmer les niveaux. Bon, bah, refais des bisous. Hey there. Hey there.
Hey there. Hey there. Hey there. Je suis un peu déçu quand même d'avoir mouru comme ça. Hey there. Hey there. Hey there. Hey there. Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre mon médicament. Faudra que je regarde combien il m'en reste. Et voir si je peux pas en faire, parce que ça va faire deux fois que. Ouais, il m'en reste que deux, quoi. Les antirhumes là. Voilà. Grigné, fromager. Alors. Il me faut le lait. Non, je vais garder mon lait. Juste, peut-être transformer juste ma laine. On ne sait jamais. Parce que du lait, ça sert toujours. J'ai pas mal de plantes de soins, faudrait que je regarde si je peux pas, ce que je peux en faire. Les plantes médicales là. Ah mais les tomates. Elle va venir récolter. Petite fourmi. Alors, le seul truc qui m'embête, c'est que comme le faucheur, il bosse de nuit, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a coupé, qu'est-ce qu'il a pas coupé, quoi. C'est ça qui m'embête. Je pense qu'au bout d'un moment, la fourmi toute seule, elle va peut-être pas pouvoir bosser tout. Ça serait bien qu'on lui trouve peut-être un copain après. Une fois qu'elle a fini, je pense que je vais garder les tomates. Ça sert toujours. Alors oui, j'ai un faucheur, mais je fais son boulot. Ça me permet, moi, déjà de m'occuper. De level up. Puis au moins je suis sûr de ce que je fais, quoi. La fourmi a fini son travail, on l'a entendu.